Bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo sur le thème spécifique de la dissertation, nous allons voir quelle est la méthode pour trouver un plan qui permettra de traiter le sujet de dissertation le jour du bac. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours complet de sciences économiques et sociales sur le site coursdeses.fr. Donc, comment procéder pour trouver un plan? Tout d'abord, quelques remarques. D'abord, au bac, il est généralement conseillé de faire deux grandes parties plutôt que trois. En effet, dans la mesure où l'on vous demande de produire un plan à trois niveaux, c'est-à-dire avec des grandes parties contenant elles-mêmes plusieurs sous-parties qui contiennent également plusieurs arguments chacune, il semble fastidieux et exagérément ambitieux de prétendre trouver trois grandes parties de ce type. Cependant, s'il advenait que vous ne parveniez pas à trouver de sous-parties cohérentes pour chaque grande partie, et donc que vous n'ayez qu'un plan à deux niveaux, c'est-à-dire avec des grandes parties directement composées d'arguments, alors on pourrait admettre que vous fassiez trois grandes parties dans votre plan. Deuxième remarque, les éléments de plan présentés ici constituent davantage des clés des plans que des plans types. En effet, il ne faut pas que vous pensiez que les plans dont nous allons parler ici s'appliquent à tous les sujets possibles le jour du bac. De fait, la plupart du temps, le plan émergera au cours de votre phase de mobilisation des connaissances et sera donc directement issu de votre bonne connaissance du cours de SES et du programme officiel. Alors donc, qu'allons-nous voir dans cette vidéo? Eh bien, nous allons voir donc des plans types et des clés de plan pour les différents types de sujets. Puis nous verrons comment trouver des sous-parties dans ce plan. Nous verrons comment élaborer un plan détaillé. Et enfin, nous étudierons un certain nombre d'exemples de plans, bons ou mauvais. Donc d'abord, les plans types et les clés de plan pour les sujets de type analyse. Si l'on vous demande une analyse complète du type analyser les stratégies d'internationalisation de la production des firmes multinationales, un plan possible consiste à faire grand 1, constat, et grand 2, cause. Soit ici, grand 1, constat et caractéristiques des stratégies d'internationalisation de la production des firmes multinationales, grand 2, déterminant de ces stratégies. Méfiez-vous cependant, ce n'est pas parce qu'un sujet commence par analyser que ce type de plan convient nécessairement. On peut également vous demander d'analyser explicitement grand 1 les causes et grand 2 les conséquences d'un phénomène, auquel cas le plan est tout trouvé. On peut également imaginer d'autres clés de plan possibles qui dépendront nécessairement du sujet concerné et sachant que ces clés conviendront parfois mieux pour structurer les sous-parties du plan que les grandes parties. Donc voici les clés les plus connues, les plus usuelles. Vous avez la clé interne-externe ou endogène-exogène. Vous avez conjoncturel-structurel. Effet positif-négatif, également appelé effet pervers-effet vertueux. Le plan de type direct-indirect. La clé à court terme, à long terme. Quantitatif-qualitatif. Ou encore la clé aspects économiques, aspects sociaux. N'oubliez pas que ces clés ne sont qu'un outil complémentaire, car en réalité, c'est votre bonne connaissance du cours qui vous permettra, la plupart du temps, de trouver le bon plan. Par exemple, dans le sujet « Analyser les mécanismes cumulatifs susceptibles d'engendrer des dépressions économiques », eh bien, il semble qu'aucune des clés de plan précédemment présentées ne convienne. Ici, un plan convenable pourrait être grand 1, le caractère cumulatif des chocs d'offres et de demandes peut transformer une récession en dépression. Grand 2, tandis que le cycle du crédit et les risques de spirale déflationniste peuvent également se combiner pour aggraver davantage la crise économique. Donc on voit bien ici que c'est la bonne connaissance du cours qui permet effectivement de trouver le plan. Passons maintenant au plan type et clés de plan pour les sujets de type discussion-débat. Le plan idéal d'un sujet de type discussion-débat est le plan grand 1 oui, grand 2 mais, ou bien grand 1 non, grand 2 mais. Cependant, ces plans peuvent prendre des formes variables selon la question précise qui vous est posée. Grand 1 oui
mais dans certains cas seulement. Oui, mais sous certaines conditions. Oui, d'un certain point de vue, mais non d'un autre point de vue. Oui, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas nécessaire. Oui, c'est possible, mais ce n'est ni nécessaire, ni suffisant. Attention, les plans affirmés sans nuance du type grand 1 oui, grand 2 non sont impossibles à réaliser car il s'agit de plans contradictoires. Vous ne pouvez pas alternativement défendre le point de vue oui et le point de vue non. Voilà pourquoi on présente ces sujets en disant oui, mais ou non, mais. C'est-à-dire qu'on introduit de la nuance et pas de la contradiction. Pour les sujets de type interactif, eh bien généralement, les sujets qui vous demandent de mettre en évidence les liens entre deux phénomènes A et B sont traitables en choisissant le plan grand 1, les liens de A vers B, et grand 2, les liens de B vers A. Voici maintenant donc la deuxième sous-partie de cette vidéo, comment trouver les sous-parties du plan. Hormis une bonne connaissance de son cours, la manière la plus évidente de trouver les sous-parties consiste à regrouper les arguments d'une même grande partie dans deux ou trois sous-groupes en fonction de leurs points communs ou de leurs différences. C'est notamment ici que l'utilisation des clés de plan des sujets de type analyse peut s'avérer efficace. Par exemple, dans une grande partie traitant des causes d'un phénomène, on pourra peut-être identifier des causes endogènes et d'autres exogènes, par exemple. Dans une grande partie traitant des effets d'un phénomène, on pourra peut-être identifier des effets vertueux et d'autres pervers, ou bien des effets directs et d'autres indirects. Alors, que faire si l'on ne trouve pas de sous-partie pour le plan ? Eh bien, si vous manquez de temps, il vaut mieux avoir un plan à seulement deux niveaux, c'est-à-dire des grandes parties puis des arguments, mais un plan qui tient la route, plutôt qu'un mauvais plan à trois niveaux, plutôt qu'un plan avec des sous-parties fictives, c'est-à-dire qui n'ont aucune cohérence, aucune logique, ou alors même qu'un devoir bâclé à cause du temps perdu à chercher à tout prix des sous-parties. Ensuite, il convient pour vous-même d'élaborer un plan détaillé avant de vous lancer dans la rédaction de votre dissertation. Donc avant de commencer à rédiger, vous devez mettre au propre le résultat de votre travail sous la forme d'un plan détaillé. Pour cela, il vous suffit de prendre soin de rédiger, c'est très important, sous la forme de phrases affirmatives rigoureuses, et non pas de titres, chacune des idées qui correspond à vos grandes parties, à vos sous-parties, et à vos arguments. Lors de cette étape, prenez donc soin de vérifier que chacune de vos phrases, qu'il s'agisse des grandes parties, des sous-parties ou des arguments, eh bien que chacune de ces phrases correspond bien à une idée qui soit un élément à part entière de réponse à la question du sujet. Voici maintenant des exemples de plans avec des sujets, et nous allons voir quels peuvent être éventuellement les plans adaptés ou ceux qui ne le sont pas. Donc, par exemple, pour la question ou le sujet, vous analyserez les effets des gains de productivité sur la croissance, je vous propose les plans suivants. Le plan A, grand 1, la croissance favorise les gains de productivité, grand 2, les gains de productivité permettent la croissance économique, n'est pas un plan possible, puisque, évidemment, ici, le grand 1 est parfaitement hors sujet. Vous devez analyser les effets des gains de productivité sur la croissance, et en aucun cas la manière dont la croissance favorise les gains de productivité. Le plan B, les gains de productivité peuvent avoir des effets positifs sur la croissance, mais également des effets pervers, est éventuellement un plan possible, sachant que malgré tout, ce plan risque d'être déséquilibré car il sera certainement plus facile d'identifier des effets vertueux que des effets pervers. Le troisième plan, grand 1, les causes des effets des gains de productivité sur la croissance, grand 2, les conséquences des effets des gains de productivité sur la croissance, n'est pas possible, même si la question du sujet débute par « vous analyserez », donc ici ce plan n'a véritablement aucun sens.
Voici un deuxième exemple de sujet. Vous analyserez le lien entre demande et investissement. Et voici donc quelques plans possibles. Plan A, grand 1, la demande. Grand 2, l'investissement. Grand 3, les liens entre l'investissement et la demande. Ici, il est évident que ce plan n'est pas possible, puisque vous constatez que le sujet est traité intégralement dans le grand 3 du plan, et que donc, de ce fait, le grand 1 et le grand 2 sont parfaitement hors sujet. Ils n'apportent aucun élément de réponse à la question du sujet, c'est-à-dire l'analyse du lien entre demande et investissement. Donc il ne faut surtout pas faire ce genre de plan le jour du plan. Le plan B, grand 1, l'évolution de la demande a des effets sur l'évolution de l'investissement et l'évolution de l'investissement a des effets sur l'évolution de la demande, est sans aucun doute possible, puisqu'il s'agit bel et bien d'un sujet de type interactif. Troisième exemple de sujet, vous expliquerez comment l'investissement est source de croissance économique. Plan A, grand 1, l'investissement favorise la croissance économique par son action sur l'offre. Grand 2, l'investissement favorise la croissance économique par son effet multiplicateur. A priori, il s'agit là d'un plan tout à fait possible. Plan B, grand 1, l'investissement est source de croissance. Grand 2, la croissance est source d'investissement. Ce plan n'est pas possible car il ne s'agit pas du tout d'un sujet de type interactif. On vous demande d'expliquer comment l'investissement est source de croissance et en aucun cas comment la croissance peut être source d'investissement, donc le grand 2 est parfaitement hors sujet. Le plan C, grand 1, l'investissement est source de croissance sous certaines conditions, grand 2, mais ce n'est pas le cas lorsque ces conditions ne sont pas réunies, et bien ce plan n'est pas possible non plus car il ne s'agit pas là d'un sujet de type discussion-débat mais bien d'un sujet de type analyse. Quatrième exemple, quels sont les effets de l'investissement des entreprises sur l'emploi? Plan A, grand 1, l'investissement des entreprises a des effets négatifs sur l'emploi. Grand 2, cependant, l'investissement des entreprises a également des effets positifs sur l'emploi. Eh bien, il s'agit effectivement, sans doute, d'un plan possible. Plan B, grand 1, l'investissement des entreprises a des effets directs sur l'emploi. Grand 2, l'investissement des entreprises a des effets indirects sur l'emploi. Eh bien, il s'agit là également, certainement, d'un plan possible. Enfin, dernier exemple, en quoi le progrès technique est-il facteur de croissance économique? Donc, je vous rappelle que les sujets qui commencent par en quoi, on peut remplacer le en quoi par comment. Donc, il s'agit ici de montrer par quel mécanisme le progrès technique est-il facteur de croissance économique. Donc, le plan A, grand 1, le progrès technique est source de croissance économique grâce au gain de productivité. Grand 2, le progrès technique est source de croissance grâce à l'extension des marchés. Eh bien, ce plan est a priori tout à fait possible. Le plan B, grand 1, d'un certain point de vue, le progrès technique est un facteur important de la croissance économique. Grand 2, cependant, le progrès technique peut aussi être considéré comme un frein à la croissance. N'est évidemment pas un plan possible, puisqu'il ne s'agit pas du tout de débattre de la relation, donc le grand 2 est parfaitement hors sujet. Il en est de même pour le plan C, avec grand 1, le progrès technique est un élément favorable à la croissance économique, mais le progrès technique n'est pas un élément suffisant de la croissance économique. Non, il ne s'agit pas d'un sujet de type discussion-débat, mais bien d'un sujet de type analyse.